tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une box. Oui, une box qui s'appelle Gretel. Et j'ai connu cette box grâce à la chaîne de Call of Beauty. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, plus bien sûr le site de Gretel. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ça donne bien envie. En fait, c'est un site où il va vous proposer divers snacks pour... c'est 13 euros, il me semble bien. C'est 5, on a droit à 5. Et vous avez beaucoup de snacks à choisir. C'est vous qui faites votre box. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que je ne l'ai pas ouverte du tout. Donc elle est arrivée un petit peu mal. Du coup, on va l'ouvrir et on va découvrir. Donc si vous voulez aller sur le site, vous inscrire, vous prenez mon mail. Et voilà, je vous parraine. C'est plutôt bien, hein? Alors j'ouvre, à l'intérieur on va retrouver donc Gretel, suivez-nous sur Facebook, Gretel Snack Box, Gretel Box et sur Pinterest, Gretel Box, parrainer un ami, recevez une box, Gretel à la philosophie du partage. Donc voilà comment ça se présente, donc on va retrouver un sac dedans, un bag, waouh, le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise, ça c'est vrai. Ça, c'est toujours utile, ces sacs-là. C'est vraiment génial. Ensuite, on va retrouver... Oh, j'ai hâte de tester. Alors, pour vous sentir léger à l'arrivée de l'hiver, les encas de bonheur Gretel sont là. Si vous voulez gagner la maison de Gretel par un grand pâtissier, envoyez-nous une photo de vous avec votre box sur Instagram accompagnée du hashtag GretelBox. Bah ouais, pourquoi pas. On va tester. Alors, on en retrouve encore... Je suis désolée pour ce que je t'ai dit, j'avais faim. Nous vous conseillons de retenir cette petite phrase pratique à utiliser après vous être emporté. Ah ben oui, parce que je vais tester avec vous et vous dire si je trouve ça bon. Il y en a 5, donc je vais tester les 5. Alors, la première chose que je prends... Ah oui, je me souvenais plus. Donc, j'ai choisi du pop-corn au chocolat. Les gens m'adorent. Voilà comment ça se présente. C'est une sorte de papier, vous savez, comme les enveloppes. Et derrière, on va retrouver donc les valeurs énergétiques et nutritionnelles avec les ingrédients. Riche en polyphénols et garantie sans OGM, je suis la petite boule qui vous fait croquer. Ma petite touche chocolatée apporte douceur et suavité. Donc on va tester. On a les dates de péremption aussi. Donc très bien. Donc en plus, c'est des snacks qui se referment. Donc c'est vraiment tout génial. J'ai coupé pas assez près. Ah oui, dis donc, ça va bien se refermer. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà comment ça se présente. Je goûte en même temps, je fais un test. Au moins comme ça, je vous dis si c'est bon ou pas. Popcorn chocolat. Oh mon Dieu. Bon, j'arrête. C'est trop bon. Ça se referme vraiment très bien. Ça, c'est impeccable. Ils sont super bons. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? C'est mon parti, mon coco, 100% exotique, passion, bonheur. C'est la noix de coco. Vous voyez? Avec mes vertus immunostimulantes, je suis l'allié des grands aventuriers. Je participe à un transit sans peur et sans reproche. Et ben, me voilà bien. C'est sympa, leur petite phrase. Alors, je vous montre. Ça sent la noix de coco. C'est des tout petits carrés. Oula, je croyais que j'allais le faire tomber. Je regarde un peu comment c'est fait. Je sais pas, c'est fait bizarrement. Voilà. Alors, ça n'a pas le goût. Le truc est tombé. Ça n'a pas le goût. Quoi que si. J'allais comparer au Bounty, vous savez, à notre coco intérieur du Bounty. Ah si, quand même. Si, si. Elle vient de l'Indonésie, la Philippine, à notre coco. Si, si. Si, quand même. Si, si, ça ressemble vraiment au Bounty. Donc ça, mélanger, mettons, popcorn chocolat, ça doit pas être mal. Ensuite...
Celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Oui, c'est bien en train de tomber. C'est bien ce qui me semblait. Cette espèce de truc là qui est en train de tomber. Là, c'est un mélange exotique. La Team Tropico. Les formes sous toutes ses formes. Excellent. Donc lui, je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà, c'est des fruits. Vous connaissez tout ça à l'apéritif. Hein. Je vous propose un feu d'artifice de saveur exotique pour lutter contre la grisaille et la fatigue. Ça, c'est super bon, ça. Ensuite, là, je vais l'ouvrir, c'est obligé. C'est noisette aux trois chocolats. Donc, il y a la Miss Lisette, la Miss Juliette et la Miss Violette. À chacune ses vertus, croquant, succulent et attachant. Voilà, bonne pour le cœur et pour le cerveau, nous aidons à lutter contre le stress sous ton douceur grâce au chocolat. Oui, d'accord, donc ça veut dire que comme on est souvent stressé, on peut manger souvent ça? Ou pas du tout? Waouh! Voyons, c'est des boules, je vais vous montrer, c'est des boules qui sont quand même assez grosses. Hein. Donc il y a au lait, blanc et noir. Bon, je ne vais pas toutes vous les goûter, on va goûter et aller au blanc. On sent bien la noisette. Je suis obligée de goûter au chocolat. Au lait. On sent bien la noisette. Le chocolat autour est quand même assez épais. Mmh. Oui, oui, oui. Elles sont vraiment bonnes. Ensuite, le cinquième et dernier produit, ce sont des mangues. J'adore la mangue. Alors lui, c'est Armand. Armand Gadget et au cerveau. Ça me fait penser à Inspecteur Gadget. Œil de lynx et esprit affûté. Voilà comment, c'est des mangues séchées. Mangue déshydratée en lamelles. Mon teint orangé vous apporte vitamines et antioxydants. Et ben, on va voir ça, mon gars. On va voir ça. En tout cas, là, pour jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Ça se présente comme ça. Mmh. Mmh. J'adore. J'adore. Franchement, elles sont consistantes. Elles sont pas, vous savez, toutes séchées, bourrées de sucre, enfin, au goût, comme j'ai déjà pu goûter. Elles sont consistantes, elles sont moelleuses en même temps, bah, elles sont fruits séchés, hein, mais moelleuses. Et je sens vraiment le goût de la mangue. Je sens pas que le goût du sucre. Ben bravo. Et leur packaging, ils se referment tous bien, donc c'est vraiment super parce qu'on va pas manger ça en une seule fois, quoi. Mais c'est vraiment génial. Et j'ai envie de vous dire que c'est aussi quelque part ludique pour les enfants. Je trouve ça plutôt bien parce que, bon là c'est vrai qu'il y a du chocolat, mais vous me connaissez, hein, j'adore les chocolats, donc j'ai pas pu faire autrement. Mais des fruits comme ça, même les fruits comme ça, c'est ludique pour les amuser avec ça, les phrases et tout. Et puis de commander la boîte, de choisir avec eux sur internet, et ben ça je trouve ça génial. Franchement, je remercie Sandrine Call of Beauty d'avoir fait cette vidéo-là, d'avoir découvert ça. Parce que, ouais, je pourrais dire que... Après la T-Box, cette box-là pourrait être un deuxième coup de cœur. Ça pourrait être un deuxième coup de cœur, vraiment. Alors par contre, je sais qu'on peut les commander au mois. Moi, je pense pas que je vais commander ben voilà, tous les mois. Je dis bien, je ne pense pas, je ne sais pas. Hein, c'est pas une certitude. On verra d'ailleurs. Je peux revenir sur ce que j'ai dit. Hein, parce que ben, il faut finir. Je ne veux pas non plus me goinfrer. Hein, donc voilà. Mais vraiment, c'est génial, quoi. C'est vraiment super. Vous partez même au cinéma, foutez ça dans votre sac, les pop-corn au chocolat. Et c'est top. Franchement, c'est top. C'est vraiment un super bon concept. Je suis vraiment contente de l'avoir commandé. Et puis, en plus, ce petit bag, là, il est vraiment génial. Du coup, super top. La box Gretel, là, vraiment génial. Eh bien, écoutez, je vous mets aussi tous les liens en barre d'infos. Prenez mon mail, je vous parraine. Ah, pas de soucis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.